Bonjour, bonsoir, toutes amies, toutes les fanatiques qui ont fait la caille, ou même qui en Haïti, sur tout le territoire national là, ou même tout qui est à l'étranger, et bienvenue sur chaîne Paola. Je vous dis à ce mardi qui est 28 janvier 2020. Eh bien, nous présents pour nous capables de présenter toutes nouvelles, toute actualité qu'a brassé Bill et pays d'Haïti. Dans ce sens, nous pourrons présenter le journal Grand Boulevard, qui c'est le journal Première Occasion, côté au une chance pour capable suivre toutes nouvelles, toute actualité, comme ça, pour capable de connaître qui décision, pour capable de prendre qui route, pour capable de passer. Eh bien, nous connaissons hier le président Jovenel Moïse, lui-même, l'État supposé dans le tribunal, et nous connaissons un groupe de 7 sénateurs qui étaient le président Jovenel Moïse. Eh bien, dans le jugement, ça, c'était un véritable théâtre entre Zokiki avec Renaud Georges, qui c'est avocat président Jovenel Moïse. Vous parlez de chance pour capable suivre détail toute information ça ensemble avec nous. Vous parlez gagner guerrier du sol Pierre-Renel René qui parle informer au faisait la caille comme à l'accoutumée. Nous servons comme pont pour nous capable faire toute nouvelle rivée joie nous. Aujourd'hui, à nos mardis 28 janvier 2020, toute équipe là content rejoindre nos matins pour présentation journal créole, première occasion, journal Grand Boulevard. Réalisation, toute équipe là, production Jean-Claude Dorsey, rédaction Ganito François, dans micro, mise en ordre de Grégory Lubin, pendant que souhaité bon rétablissement avec Réginald Robelson, et puis dans micro pour présentation journal ça, Pierre-Renal René, avec moi-même, guerrier du sol. Bonjour Grégory, bonjour Pierre-Renel. Bonjour Gabriel, bonjour Grégory, bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le journal là, matin. Et quelqu'un a principale information après quelqu'un pour nous développer matin, pas gagner aucun cas coronavirus qui est recensé sur le territoire national, déclaration autorité dans le ministère de la Santé publique, capable de rassurer la population. Pendant temps, ça, déjà, il y a alerte, vigilance qui décrétait dans le niveau aéroport international Toussaint Louverture pour faire prévention contre la maladie, ça, qui déjà frappé divers pays sous planète, là, d'après le directeur général de MSPPA, Dr. Lauré Adrien. Insécurité dans la région métropolitaine, hier soir, il y a un inspecteur police perdu la ville, puis bonnet dans journée sous bicentenaire ingénieur Fenel Brilon, recevoir plusieurs balles, secteur vaudois, à Paril pour marcher. Le marché dans la commune Carrefour, hier lundi 27 janvier 2020, pour dire non à Kazakh, criminalité, occupation suspendue, répétée. Secteur vaudois a été coincé c'est seul, il y a tête ensemble, tout secteur dans la vie nationale, là, qui peut permettre la paix établi dans le pays. On n'a pas gagné pour ne parler à porte-parole du PNH Langari et Desrosiers dans le journal. La insécurité a prévalu terrain, même élève l'école pas épargné. Parti politique Vive Haïti dénoncé silence autorité face à la situation. Ça, porte-parole, parti Ronnie Timothée, mandé la police pour prendre responsabilité face à la kidnapping et banditisme dans le pays d'Haïti. Et c'est journal lundi 27 janvier 2020, un tribunal correctionnel a démarré avec un dossier qui opposait président République, la divers sénateurs qui était cité le tribunal pour abus de fonction. Il n'est pas possible pour président Jovenel Moïse à instaurer un régime dictatorial dans le pays, d'après maître Jean-Renel Senatus, qui va écarter possibilité pour chef d'État d'apprendre en prison, même après un mandat. Il y a une démarche qui déjà tend main bon côté autorité concernée pour arriver permettre formation au gouvernement Union nationale. C'est révélation président Sénat. Pierre-François Sildor fait connaître l'idée qui sortit dans différents secteurs dans la vie nationale impliqué dans le débat sur formation gouvernement ça. Carte d'identification nationale des malogland illégal sous plan administratif, est un coup sous plan juridique, organisation haïtienne pour yon Haïti, tout neuf, mandé président république là, font camper sous salaire les désordres, d'après coordonnateur général OCNH, malgré la cour des comptes, bail avis défavorable deux fois à contrat ça entre l'État haïtien et film des malogland, l'État avancé dans des matchs là quand même, pour Camille Auxilus, c'est un acte corruption qui méritait puni. Bataille contre l'insécurité alimentaire dans le pays d'Haïti. Haïti recevoir hier lundi à travers FAEST 2200 tonnes durées dans le cadre alimentaire en République Chine Taïwan pour l'année 2019. Là. D'après le directeur général FAEST Charles-Ernest Châtelier, coopération ça permet FAEST intensifier intervention LIO et spécialement dans le cadre programme social Corée Peplan pour l'année 2021.
gouvernement taïwanais après la dou oblé aide liée à Haïti. C'est ambassadeur à la Chine Taïwan dans le pays d'Haïti qui a annoncé ça hier lundi. De l'autre bord, paysan planteur nan niveau plein la Tibonite là, pas connaît qui c'est pour y aller à cause phénomène sécheresse là, qui a fait au monter le ciel pas d'eau. D'après paysan, année 2019 là, était puis gros cauchemar y'a qu'on est dans le secteur agricole là, n'a bien pour nous rejoindre correspondant nous, Jolivin Jules, dans un développement nouvelle là. Et puis maintenant, dans différents rubriques nous, d'abord météo, pour qu'on ait quittant la fête jeudi. C'est avec Madame Christelle Saint-Georges, depuis l'unité hydrométéologique d'Haïti, IHM. Juste avant nous rejoindre Madame Christelle Saint-Georges, dans la tableau météo, nous capables de lire déjà possibilité. La pluie jeudi en sous région sud-pays, à raison de ça, où il y a une côte surface à cap déplacer dans la partie sud d'Haïti, à Saint-Domingue. Météo à pas prévoir, cependant, la pluie à soir sous Port-au-Prince, température à ta deux vie école pendant journée entre 29 à 33 degrés Celsius en moyenne. Entre temps, ta femme, il fait exactement 5h430 minutes. Nous, on pourra le rejoindre, Madame Christelle Saint-Georges, qui pourra le dire nous quittant l'affaire jeudi. Avant nous rentrer d'emblée dans le développement journal créole, la première occasion pour matin. Bonjour, Madame Saint-Georges, et bienvenue sur Caraïbe FM. Merci. Bonjour Thierry, bonjour Pierre-Ronel, bonjour Rémi, bonjour Grégory, bonjour Gavès, bonjour la jeunesse haïtienne, bonjour toute équipe, auditeur, auditrice, un peu partout, bien bonjour pendant chaque, mais comment situation t'en comporte-t-elle, Caraïbes, la sous Atlantique, pour jeudi matin qui c'est 28 janvier 2020. Nous gagnons un peu de surface qui est toujours en déplacement dans la direction sud pour à Zélé d'Haïti. Situation ça combinée avec chaleur journée et fait local, ça qui pourra faciliter si activité l'appli de façon isolée rivée dans le département ouest et sud-est, sud avec gradance pour Assoya. Pour votre père, Axon qui entoure nous, c'est quelques mondes à Soya qui est capable de bénéficier quelques gouttes de la pluie. Pour la meilleure, c'est précaution, zone côtière, Goflagonard, Axon côtière sud. Soleil là, il y a pleuvé matin à 6h24 et la couchée à 5h39 pour lever mercredi matin à 6h24 minutes. Température à pire école par la journée en moyenne. Entre 27 pour la peine jusqu'à 33 degrés Celsius, c'est la chute de la nuit là, entre 17 pour la peine jusqu'à 23 degrés Celsius en moyenne. C'est la nommée yon bout dans ce qui est pour un dossier météo, n'a pour messieurs guerriers, Pierre-Ronel, Rémi, Grégory, toute équipe là, auditeurs, auditrices, Radio Caraïbes, nous souhaitons passer un très bon mardi. Rendez-vous pas maintenant pour me continuer à informer. C'est prêt pour demain, mercredi, cap venir là. Déjà, bon mardi. Pas quatre la moun kap souti dans zone côté et pas gain courant matin yo gain ti téléphone yo nan men yo pour clairer pa yo yon image qui montrait problème électricité an toujours pas résout dans pile dans zone yo matin levé dans blackout là nous connaît qui baille j'arrête à phénomène insécurité qui continue à valer terrain particulièrement en bas la ville Port-au-Prince jeudi an. Nous, déjà, 28 janvier, nous sommes autorités, ont été annoncés pour Pita, 30 janvier, Cap Venela, une réponse à phénomène insécurité, à Papita, hier soir, gagnon policier, alors hier après-midi, gagnon policier agent 2, 22e promotion, qui mourit dans Cafou, Torcel, et puis bonheur, dans journée, aéa, gagnon ingénieur, qui perdu la ville sous bicentenaire. Et pas d'attendre sa situation, il était compliqué. Hier, il y a dans toute zone 4e avenue, dernier l'école qu'on a gagné, ce qui était dans la zone déplacée, il a transféré sous la lue, selon information suite à dernier menace nègre exam, t'es fait direction l'école, ça, il a été adressé. Il y a une enveloppe avec deux balles là-dedans, côté, il a été exigé en quantité l'argent, non, mais responsable pour permettre l'école, ça, continuer à fonctionner, déjà, à nous apprendre. Pas quitter dans zone là, quitter zone là, ça gagne déjà un mois. L'école nationale Herman Hero n'a pas fonctionné depuis après menace directrice santé recevoir et qui était obligé de quitter le pays à même situation pour lycée Grand Ravine, lycée Jacques Roumer qui n'a pas fonctionné à cause de violence qui est installée dans la zone ça.
L'autre cas, c'est plusieurs élèves, environ 5 étudiants à MDC qui ont même victimes hier, un individu à examen qui attaquait dans la zone avenue Christophe, zone université La Pléiade, côté 4 jeunes garçons qui étaient à pied, mais qui étaient examen sous yo, attaquaient étudiants sa yo, et puis pour te aller environ 7 valises qui étaient gagnés documents étudiants sa yo là-dedans, parmi eux qui gagnaient passeport en dedans valise là. Donc ça passait hier après-midi vers zone 5h. Donc monsieur yo qui marchait à pied, 4 jeunes garçons qui étaient ensemble à pied, qui ra les âmes et puis prend tout ça yo joine dans main étudiant ça yo. Donc il m'a dit à n'importe qui qui t'a joine valise ou bien document ça yo pour tapoter dans radio Caraïbes. Donc étudiant ça yo qui yo même c'est étudiant à NDC. Nous avons avec nous en ligne porte-parole police nationale, la commissaire Michel-Ange, lui jeune, pour oui, mais Gary Desrosiers, oui, porte-parole en après, qui est avec nous pour nous regarder qui ça qui a fait dans le niveau la police là les mêmes qui était tout victime insécurité, puisque Papita hier gagné un policier qui tombait dans zone Torcelle là avec porte-parole la police là, inspecteur Gary Desrosiers. Nous pourrons aborder toute question sérieux. Inspecteur Gary Desrosiers, bonjour. Bonjour Pierre-Renel, bonjour Gary, bonjour tout le monde, auditrice de Boulevard. Donc, en attendant la police au mot, c'est porte-parole commissaire Michel-Ange Jeune qui était annoncé un travail au niveau de la police là, pour nous créer une condition pour permettre que la vie reprenne et monde capable de continuer avec l'activité. Déjà, nous, là, depuis 8 heures du soir, tout le monde rentré à la caillou, porte-parole. Bon, à part ça, il y a toujours. Allô? Là, c'est un travail pour que nous sommes capables de mapper. Par être répété, les populations, les populations. Allô? 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 Et porte-parole? Bon, mais c'est. Allô? Allô, pas de parole, nous n'avons pas tant d'autres bien. Et ben, nous essayons. Allô? Oui, allô, allô. Ok, on a les là. Oui. Allô, nous je dis que. Allô, ma continue mettre tout là-bas. Oui, on a compris. Ok, parfait. Alors, à savoir, question de Rinel là, et sous considération que porte-parole a fait, et en parlant du commissaire de police, Miguel Jeune, dans des conférences. Côté qu'il dit que la police qui même les a travaillé de manière pour qu'elle soit capable de mapper les situations sérieuses parce qu'ils ont crié et en fait panique dans la société. C'est certain que l'entité qui l'a et qui peut faire travail, a continué à faire travail. Et bien que gagné, c'est pas la police tout simplement, bon côté pas nous qui travaille dans ce sens-là, mais c'est pratiquement tout le monde, tout acteur qui est impliqué dans la question de sécurité. Alors, nous avons fait intervention en matin concernant, et malheureusement, et assassinat d'un jeune policier, et qui est le maire Montas, policier agent 2, 37 ans, et qui était parti 22e pour son père Lachla, qui est affecté dans la prison civile de Hesh, côté que bandit armé, attaqué et blessé par balle d'abord, aux environs de 2h05, 2h15 dans un torsel. Malheureusement, il a couru l'hôpital avec un policier à main. Et la ville de l'hôpital Saint-Luc, malheureusement, il est perdu la ville, il est blessé mortellement. Il a profité antenne et Radio Caraïbes au nom du commandant Chapin Lachla et pour que présenter les condoléances à ensemble policiers qui travaillent avec les policiers Lichner Montas et également à Parané et Prochet. Bon, dès que les situations sont arrivées et tout constat pour faire du fait. Et puis il y a là pour que, en fait, justement, qu'il a, et pour que le travail, la question, chercher la vérité, et qu'on raison que le policier a mourir, il est déjà au service de manière pour que les capables arriver et qu'on ait exactement ça qui cause et procéder à l'arrestation auteur et qui fait ça, malheureusement,
jeune garçon ça, lui-même, pour la police agent. Police nationale, là, pour qu'on gagne information sur l'assassinat et ingénieur civil ça qui mourit hier, c'est sur bicentenaire, Pernel? À la vérité, moi-même, je vais parler avec des données. Et je ne sais pas comment ça, parce que je ne suis pas au courant, parce que je suis plus traité sur la question policière. Mm-hmm. Et ça fait que je ne suis pas capable de donner plus d'explications. Mais dès que j'ai un mort d'homme, j'ai des entités au niveau de la police qui l'a profité, et à savoir les plus scientifiques, et j'ai un tour, c'est l'une qui l'a qui est parlé, qui a réussi problème ça, qui résout problème ça, ou bien qui c'est des questions ça autour qui au niveau des CPJ qui a travaillé justement sur ça. En fait, la police en tout cas plus présente, c'est vrai, mais c'est quand c'est dans une zone côté situation, il y a plus ou moins de tranquillité, hein, c'est presque là où bon, c'est vrai, hier, nous remarquons qu'il y a une présence du GPN dans la zone Martissant, mais stratégie, hein, nous parlons de propos dévoilés là. Est-ce que jeudi là, après CSPN spécial ça qui était fait à un niveau par le national, donc gagner des mesures concrètes, nous t'a dit, qui envisager pour que citoyens soient capables de circuler sans problème dans la rue capitale là, précisément? La police n'a pas garanti une sécurité à 100%. Et ça n'existe aucun côté. Et même dans les pays qui sont mieux organisés, qui sont plus structurés, qui gagne tout ça, qui gagne comme moi, des bourgeois, et gagne des situations. Mais par contre, au niveau de la police nationale, il y a un peu de détermination et volonté de la part du dirigeant, de policiers, des responsables, pour que ils soient capables au même temps de faire travail par eux, malgré les mêmes moyens. Mais comme nous toujours disons, c'est pratiquement répétition, et pour être c'est très bonne répétition, le fait que nous toujours adresser nos populations, hein, et qui c'est un élément au niveau sécurité qui est important pour nous, à savoir information qu'il a besoin. C'est certain qu'au niveau de la police, dégagé des services de renseignement qui n'a pas travaillé, qui justement a travaillé sur ça de manière pour qu'on soit capable d'arriver, identifier en tant que démonio, et de bandits, et pour arriver, et puis conduire de la justice. Mais je nous dis hein, que la police effectivement soit déclée au niveau sécurité, mais ce n'est pas seulement comme acteur. Mais malgré tout ça, nous allons au-delà même de ça qui nous capacite comme capacité, pour que nous arrivions même et travailler par nous. Et au niveau commissariat de Port-au-Prince, et des changements qui sont faits de manière pour que nous, leadership soit capable de dégager une capacité de manière pour que nous capables d'arriver à anticiper sur des situations. Et je nous dis, hein, et nous croyons que nous collaboration avec la population qui est partenaire, nous et d'autres partenaires en matière de sécurité. Mm-hmm. Et n'a pas fini porte-parole, mais gagné et des monde qui continuent à utiliser non directeur général sur réseaux sociaux avec des faux comptes qui ont créé nouvelle ça ou t'es partagé là que nous déjà, mais qui semblait gagner, c'est ça continue. Oui, justement, ça continue et c'est ça fait commandant chef là, fait un note de rappel. Et qui jeunes déjà quelques presse, mais qui parle jeune plus médias pendant journée, hein, et côté que lui dit dans notre plan, et de rappel là, que des personnels, des mondes qui mal intentionnés, et qui continuent à circuler des informations, t'as fait quoi que le commandant chef là, il même d'activité au niveau du direction général de la police nationale là. Et PNH dit à tout, il définit tout que il n'a pas gagné. Et compte sur les réseaux sociaux, à savoir Twitter, Instagram, Facebook, Messenger et d'autres, et qu'il a capté l'information sur les réseaux sociaux. Alors, en conséquence, il décline toute responsabilité par rapport à l'ensemble des formations particulières et la femme où on connaît que les pas gagné que l'écrit sur les réseaux sociaux, sa capteur, que ce soit image-lis, les photos-lis, de monde, justement, qui a fait des autres arts. Et il n'a pas prêté comme ça, enquête là, et des enquêtes qui est déjà en cours, et il y a quelqu'un qui nous a identifié très prochainement, d'après la collègue, au conduit devant la justice. Merci un peu, porte-parole. Voilà, Gary, inspecteur Gary Desrosiers, porte-parole adjoint, un PNH, qui était en direct avec nous.
Toujours concernant l'insécurité, un secteur vaudois montré les préoccupés devant monter phénomène ça dans le pays. Un secteur organisé en marche pour la paix. C'était hier dans la commune Kafou. C'était occasion tout pour te dénoncer phénomène ça qui a valé terrain à quatre coins pays à côté. Même commune Kafou par épanier protestataire qui dénonçait Jean situation continue à détériorer. Et quoi? C'est seul une tête ensemble qui a permettre la paix rétablie dans le pays. Jean-Georges Blaise. C'est pas seulement vaudouisants qui tapent foulé béton. Plusieurs militants politiques, organisations femmes, membres de la société civile, ont été venus pour te coller tout dans le cadre de marche pacifique qui déroulait dans la municipalité Kafoua. Nous demandons la paix, en fait, être ensemble pour rebâtir le pays. C'était quelques principaux slogans qui étaient inscrits. Sous pancarte manifestant, y a un mouvement qui dérapé dans zone rail commune Kafou pour Albout devant local sans sportif là. Tout ça, c'était un bas gros dispositif sécurité la police. Nan parcours marche là, t'es gain roi vaudou haïtien, plusieurs autres camarades d'étou qui étaient dans tête mouvement ça qui a déroulé dans moment côté différents autres secteurs après les emmoués contre phénomène insécurité sans compter crise qui a fini avec pays d'Haïti. Sous base ça, Augustin Saint-Cloud t'a délivré un message pendant Femti, marche pour la paix. Pour nous mettre main ensemble pour la paix en Haïti, pour capable gagner bon gens développement, bon gens éducation, bon gens social, bon gens l'amour tête ensemble, c'est la peine à demander pour Haïti, pour pays, pour peuple en arriver sous ghetto avec social, avec éducation, avec centre professionnel avant que me pas d'arrêter que dans souyo avec ZAM. Y a un message qui pas trop département. Avec ça qui t'a sorti en babouche, l'autre vaudouisant, militant politique tout qui dénonçait, genre situation continue à détériorer chaque jour plus. D'après manifestants, pas de route, pas bois, tête ensemble avec la paix, c'est plus bon route pour remettre le pays à son rail développement. Nous avons demandé pour le gouvernement, pour les habitants, pour les peuples, la sécurité, nous avons dû mettre cette blague, mettre tout de côté. En attendant, nous, mais c'est parce que nous tous ces haïtiens, nous demandons toute couche sociale qui est dans le pays, société civile, loisirs, opposition, tout secteur confondu qui est dans le pays, nous demandons que nous mettions tête ensemble pour nous demander la paix. Marche Pacifique, ça, n'a pas rappelé, fait deuxième mouvement qui est organisé dans le côté sud capitale. Côté avant ça, habitant troisième circonscription Port-au-Prince, te prend la rue à tout contre phénomène insécurité qui pas piti dans zone métropolitaine. Non. Et Jean-Georges Blaise, Caraïbes FM. Non, mais ça, n'a pas rappelé Jean-Georges Blaise, secteur vaudois organisé dans Kafou. Nous t'es remarqué présence plusieurs militants politiques, partis politiques vivent Haïti. Entre temps, pas caché, goke cassé, ligain, face à monter phénomène insécurité dans le pays à côté, même élève l'école, la policier pas épanouie, porte-parole, parti en Rouni Timothée dénoncé silence autorité concernée, face à monter phénomène ça, l'imandé tout avec la police pour prendre responsabilité face à Zak, à kidnapping, à banditisme dans le pays, on est Timothée dans le micro original Rémi. Première réaction, c'est que Napoué, c'est avec un sentiment de la paix. Possible ici, à regarder dans la télévision, sur tout journal, sur tout internet, petite fillette de 13 ans, à uniforme sous lit, à ben ensemble, sous côté papal, à ben ensemble. Et ça qui est grave là, gon l'autre qui gagne moins que 7 ans, qui prend plusieurs balles, qui l'hôpital, qui prend soin. Et ça n'a pas révolté la société, ça n'a pas révolté le peuple par rapport à phénomène insécurité ça, pendant que tout le monde au courant, c'est Jovenel qui a la base li, dans le marché de Bazam, tout côté. Viva Haïti profite espace ça, pour nous condamner à toute force nous, action malhonnête, délinquant armé, mal intentionné, fait tentative kidnapper deux petites filles, magistrat Ronny Colin. Et ça grave là, c'est pas la première fois ça a fait. Et gon première fois, ils ont tenté kidnapper un petit garçon Ronny Colin dans zone là, mais frappé, zone côté où il est 70 ans. Yon deuxième fois, ils ont fait plusieurs attaques sur local radio Télézénith. La justice, la police, pas jamais dit rien. Yon troisième fois, ils ont tenté kidnapper petite fille, deux petites filles, magistrat Ronny Colin. Ça veut dire qui ça? Si Ronny Colin, qui c'est magistrat commune quoi des bouquets, qui gagne sécurité, qui c'est chef en commune, je dis à qui dans l'insécurité et population civile la ligne, qui côté sécurité pas lié, je dis à nous garder tout de suite après bagay ça, nous pas attendre une note de la présidente, une note de tiresse parlement, une note de conseil de monde dans la société
pour condamner sa crédit. Et nous comprenons tout, il n'est pas fait. C'est uniquement parce que Baïssa ou Nicolas sont monde qui est dans l'opposition. Et Vive Haïti vient demander la justice, la police, la responsabilité de la dossier ça pour bailler justice à Baïssa ou Nicolas. Face à Moun Sayo, dans quel que soit camp ou secteur politique, nous avons retrouvé. Et Vive Haïti, by conférence de presse, tout pour nous dire, depuis création de la police, c'est pour la première fois, et bien, dans l'année 2019, il y a 45 policiers qui mourent non seule année. Donc, nous venons comprendre le phénomène insécurité qui frappe la police fort dans l'année 2019. Là. Et ça, nous venons comprendre tout. Puis, il faut des âmes qui assassinent les policiers, Sayo, ces âmes qui sont en dedans palais national. Soit Galil qui portait disparu, soit Zam qui était dans le palais. Soit ZAM autorité par le national by bandi et je ne dis pas c'est policiers qui victime. Si la police qui est là pour protéger et servir, elle n'est pas même qu'à servir tête li pour bailler tête de sécurité et population, est-ce qu'elle est capable de bailler sécurité? Il est là pour garder pendant que les policiers n'ont pas de matériel, ils pas de moyens économiques et bandi bandits bien équipés avec pile ZAM 9, cartouche 9, ils ont toujours montré sur tout internet. Et les Vive Haïti menaient enquête li. Nous voulons joindre tout. Équipe qui bailler tête au CNDDR, ils sont complices. Fort dans le phénomène insécurité pour ne pas dire à 95%. Il est capable de faire exemple. Dis-moi qui côté autant de nègres qui fait désarmement pour gagner stabilité là. Dis-moi qui côté autant de nègres qui passé pour gagner la paix là. Dis-moi qui côté connaît nègres qui passé pour pas gagner massacre qui fait là. Nous sommes capables de prendre exemple la saline avec soleil. Et pendant après exemple la saline avec soleil, nous venons dire tout avec tout nègre qui est dans le ghetto, qui quitte le pouvoir utilisé aux bons âmes pour assassiner même nègre qui a respiré ou des toilettes là ensemble avec vous. Tout de suite après au film de ça, ou après comment il a appelé Mino. Nous avons pris exemple si on gagne. Nous avons pris exemple plusieurs l'autre encore. Je ne dis pas là. Et ça grave là. Vous avez suivi chaque fois la police font tentative à arrêter Bandi. Depuis Bandi est arrivé devant le juge à Kobli même, il y a une libération rapide. Ça veut dire qui ça? La justice, tout, les fautifs de phénomène insécurité ça, que je ne veux dire à vivre, personne ne peut pas épanouir. Et pouvoir marcher par exemple ça, uniquement. En dans ghetto yo pour empêcher moun mobiliser, empêcher manifestation faite et je ne veux dire ces âmes ça qui viennent retourner cap assassiner policiers, cap assassiner moun dans population civile là parce que normalement l'op on est à coup de Jean-Louis. C'est lui que qu'on a porté quoi porté matériel aller je ne veux dire là bandi balbal li coucher l'hôpital. Donc je dis lui va ici mener enquête pour nous connaître qui est-ce qui intermédiaire pouvoir ça, qui intermédiaire bandi ou à pouvoir dans pour des âmes à matériel vini. Qui j'en nouvelle technologie et communication avec information au cas UIDE dans combattre le phénomène insécurité. Nous pourrons parler tout à l'heure avec professeur Romaclis, mais juste avant, guerrier, pendant pays à la fait face à phénomène insécurité, autorité ou toujours pour qu'on joue boutli, menace si on nouvelle épidémie arrive sous nous qui c'est coronavirus qui déjà fait en pile victime et qui atteint deux pays, Haïti, qui vol régulier à Cuyo, qui c'est la France qui est États-Unis, autorité ont déjà annoncé disposition pour éviter l'épidémie ça rentrer sous territoire. Ouais, toutefois, pour qu'on gagne aucun cas de coronavirus qui est recensé sur le territoire national, d'après déclaration autorité dans le ministère Santé publique qui rassure la population. C'est pour ça qu'il y a pour eux la prévention contre la maladie. Ça, le ministère Santé publique fait qu'on ait déjà adopté bonjour mesure pour ça. Le directeur général l'a fait qu'on ait vigilance là, décrété. Non, aéroport international Toussaint l'ouverture, d'après la côté déclaration docteur Lauré Adrien, directeur général MSPP, il était parlé dans le micro Jean-Paul Lundi. L'intervention nous parlait seulement d'un niveau aéroport, mais comme l'aéroport c'est point central, c'est point d'entrée, parce que pas oublié, nous pas prendre des mesures pour faire face à une maladie ou une menace quelconque, n'a pas des mesures pour préparer au risque d'importation. Ça veut dire que pendant que nous avons des mesures de prévention au niveau de l'aéroport, nous avons même des mesures de préparation pour si jamais vous voyez mal filaire d'acide. Je dis même, nous avons tout directeur départemental, 9 sur 10 environ, qui ici dans l'autre activité et nous prévoir rencontrer pour un jour meilleur pour nous faire même des sensibilisations passées pour nous renforcer la surveillance au niveau département. Mais je vais vous dire que nous n'avons pas gagné actuellement une structure de quarantaine bien identifiée pour nous dire si nous avons tel problème, nous avons mis tel côté. Naturellement, il y a des institutions, ça n'a pas besoin de citer, qui gagnent des espaces qui sont capables de rapidement transformer en ça, et même gagner des espaces qui étaient déjà servis
pour ça dans certaines autres pathologies que vous avez, que nous sommes capables d'utiliser facilement. Ce qui est important, c'est que toute institution, côté monde qui vient prendre soin, le monde dans le groupe et que les vivent dans l'institution, ça a que personnel de santé qui vous est, que c'est le docteur, que c'est l'infirmière, que les au courant de l'existence maladie, que les surtout connaît qui ça pour le fait, pour qu'il n'y ait pas ça représenter un risque. Et isolement, bien sûr, les quarantaines, les cafés dans n'importe quelle institution. Il suffit qu'on ait un espace, et que l'espace là, pour faire ça seulement la journée, avec des conditions de sécurité épidémiologique, pour ne pas permettre que Green Casa pour isoler les gens constituent une menace pour cette institution. Traitement, bon docteur, on connaît, c'est pas un traitement qui est lourd dans la terre. Naturellement, si la maladie arrive dans un stade grave, côté mon déjà en détresse respiratoire, ou bien des mesures d'accompagnement pour aider à respirer, mais il y a un facteur que nous observons, tout c'est que la plupart de nous qui fait maladie, et ça qui vient mourir, ou bien qui vient compliquer, nous découvrons que mon cerveau est déjà une maladie en bas. C'est-à-dire que si on est en bonne santé pour attendre une grippe, et faire lui-même sur vous, que si vous avez déjà un problème, ou des problèmes de tension qui va contrôler, ou des problèmes de sucre, ou des problèmes de maladie de cœur, etc. Tout ça, c'est des conditions qui font le virus là avec une petite grave de ce monde-là. Il y a des messages qui vont défiler sur le moniteur visuel dans l'aéroport, que le message ça reparaît déjà, qui est écrit en quatre langues. Anglais, espagnol, français, créole, à l'attention de voyageurs car vous avez la paix et tout le monde qui peut être à vous voir appeler les agents. Et puis nous avons des dispositions au niveau des institutions pour que chaque institution gagne un espace qui est identifié et capable éventuellement de tourner en zone d'isolement, en zone de quarantaine, au cas où nous juste à anticiper que pour tout pays, à anticiper, donc nous-mêmes, nous prenons des mesures, des dispositions. Nous souhaitons et nous travaillons sérieusement pour ne pas gagner, pour nous faire face à gérer nos cas. Et si nous réussissons à mettre des mesures de contrôle dans l'aéroport et que nous contrôlons ça, nous gagnons plus ou moins garantie que nous ne pouvons pas gagner pour nous gérer nos cas qui valent. Voilà, au top à côté des GMSPP, docteur Loré Adrien, responsable direction épidémiologie en laboratoire avec recherche dans MSPP, les préciser fièvre, grippe, c'est principal symptôme coronavirus. Là. Patrick Deli, fait connaître, pas gagné aucun monde qui a attrapé maladie, s'il n'est pas en contact avec un monde qui gagne virus. Là. Toutefois, docteur Deli a souligné, le ministère l'a paré pour prendre mesure nécessaire si au cas, pas gagné un monde qui attrapait virus. Là. Côté Dr. Patrick Deli, il était dans le micro Jean-Paul Lundi. Nous disons maladie qui existait déjà, ça fait longtemps, mais il est venu sous forme grippe. La grippe là, il est différent de façon capable de classifier, il est capable de léger, il est capable de grave. Mais et, suivant virus qui est depuis le Corona, nous avons observé que le conseil de monde, dépendamment de l'état, il est capable de dire grave. Mais ce n'est pas tout le monde qui vient de la capture. Ça, c'est tous les bagages de supposer. Maintenant, comment présenter Kairoum? Pour commencer, il faut que c'est un monde qui est exposé, ça veut dire qu'il est en côté, dans le pays, côté le joint calme, par exemple en Chine. Et même ça, il présente des signes un peu capable de guérir, comme bon créole, oui, beaucoup de la bonne grippe, oui, oui. Même ça, capable de guérir l'autre signe grippe, capable de fièvre. Il est capable de gorge faire mal, il est capable de gagner de sentir col, pas sentir col en forme. Et puis moi ça, dans mon créole là, il est capable de gagner six situations aggravées, il est capable de gagner ça et souffre-coute. Ça veut dire si nous n'avons pas qu'à respirer. Maintenant, depuis mon côté, nous et côté sale qui est cas déjà, il était exposé. Et puis lui présenter, il y a plusieurs dans le signe, nous est capable de dire, nous ne va pas dire un cas coronavirus, on va peut-être dire une phrase, il y a un cas suspect. Maintenant, à partir de cas ça, le nouveau cas comme ça, on va faire une investigation pour dire, nous ça, oui, il est capable de coronavirus ou pas. Mais
Depuis nous commençons à jouer un cas suspect, nous ne pouvons pas obtenir des résultats. Nous avons pour nous prendre ceci, même si ça arrive pour nous voir de l'autre côté pour nous faire analyse pour nous. Mais depuis nous détectons un cas suspect, mesure de contrôle, il y a tout à comparer avec mesure de contrôle qui s'arrête. Pour le bagage, c'est prendre des précautions pour empêcher qu'on ne va pas propager ou bien pour ne pas prendre. Ça veut dire sous gain gris pour ne pas éternuer sur le monde. Ou pas souvent la main ou laver les mains de temps en temps, ou pas retirer les mains ou appeler dans le jeu ou dans l'autre côté, dans côté qui est muqueuse, dans le corps pour empêcher ou faire transmission. Ensuite, c'est soit éternuer ou capable d'utiliser un mouchoir ou bien coup de bras pour empêcher que les gouttelettes qui sortent dans la bouche à contaminer l'autre monde si toutefois ou t'as. Ça, c'est des bails qui précisent de base que nous demandons pour nous. Voilà, pour disposition autorité sanitaire dans le pays d'Haïti annoncé pour éviter nouveau virus coronavirus la rentrée sur le territoire national là depuis dans l'aéroport désormais il y a un questionnaire qui est disponible, questionnaire qui est adressé à monde qui t'a présenté symptômes épidémie ça qui a rentré dans le pays qui a permis de retracer parcours dans quel pays ou bien dans la ville yo sorti à qui monde yo prend contact. Oui, toujours dans un niveau aéroport, on va mettre message qui écrit en créole, français, espagnol, anglais, qui a affiché l'intention de rentrer dans le pays. On a rappelé c'est depuis mois décembre 2019 la épidémie nouveau coronavirus l'a déclaré sans printemps pour propager le col côté déjà touché plusieurs pays, tant que Thaïlande, Mongolie et plusieurs autres pays sur le continent. Asia, épidémie, ça qui atteint États-Unis et Australie, trois premiers cas confirmés en France, une ville Bordeaux, deux à Paris, un nouveau virus qui déjà fait 80 morts, 2700 mounes contaminés, 6000 mounes infectés selon un premier bilan qui sortit dans le pays et la Chine côté 11 millions mounes en ville de Relais, où y en trouvé, où elle est là, en quarantaine. Entre-temps, Haïtiens ont continué à prendre risque sous la mer pour quitter le pays pour aller chercher la vie meilleure. L'autre bord de l'eau, il y a un petit bateau haïtien qui était porté une trentaine clandestins noyés semaine passée dans le pays Bahamas. Autorité pays ça qui continue à chercher trace petit bateau ça côté il y a déjà joint trois et corps, cadavre, ça y est, qui est trouvé dans un mauvais état selon la presse pays. Et Bahamas, qui cite Force Défense Royale, là, qui remet cadavre, ça y est, bah, au morgue dans la capitale, la Nassau, pour traitement, yo, information, yo, pas bah, l'autre détail, souti, embarcation, ça, qui coulait dans de l'eau, Bahamas, en période sorti 13 pour arriver 20 janvier passé à dans zone chaîne zilée et Radjeg côté yo récupéré Kalati Batosa dans l'âge Pigeonkey. Dans l'actualité, toujours le tribunal correctionnel a démarré depuis hier, lundi 27 janvier, avec dossier qui opposait président République là avec divers sénateurs qui étaient cités le tribunal pour habit fonction pendant déroulement audience conseil de défense là, appuyé sur article 186 constitution pour dit tribunal là. Pas gagné aucune compétence pour tant des dossiers ça lorsque parti civil là qui gagne là dans le sénateur fait qu'on est avocat chef d'état confirmé président commettre crime qui et crime avec délit qui reprochait l'IO li pas possible pour président Jovenel Moïse a instauré un régime dictatorial dans le pays d'après maître Jean-Renel Senatus qui pas écarté possibilité pour chef l'état ta prend prison même après l'infini mandat maître Jean-Renel Senatus t'es parlé dans micro magasin Philistin. Première réaction, c'est que n'a point, dans l'état de droit, possibilité de gagner pour nous montrer personne pas au-dessus de la loi. Imaginons-nous devant le tribunal, même tu as traité président Jovenel Moïse, qui est président pays, il est prévenu par devant ce tribunal de fait que l'avocat lui a malheureusement reconnaître, ou bien mettre Georges à tout ministère public à reconnaître que le président les commet crime. Avec délit que nous reprochons. Il a parlé de. Et l'avocat
reconnaître ou commettre une infraction, ça veut dire arrestation tout près. Maintenant, le président Jovenel est encore président. Le fait que le président pensait qu'il est capable de jouir de l'immunité présidentielle pour le capable de protéger. Mais pas bien moi-même qui est avocat, Jean-Marie Salomon qui est avocat. Nous, c'est une action, bien équilibrée, bien orientée, bien balancée. Nous pas être une action pour un résultat, je dis à la donne. Non, sans président Jovenel la pensée, après un an, deux ans, la président toujours, laisse ça ne parler de autre que de justice pas exister. La obligé est venue et la obligé à le pointule en de pénitentiaire nationale parce que l'été violé la loi en de pays. C'est professeur que mieux, professeur de droit, avocat que mieux. Moi, pour mettre Joël là, il fait journée, il ne va pas dire rien. Nous te voyons ça comme journaliste. Nous mangeons, mais Joël, ça veut dire que le président doit s'inquiéter. Il doit s'inquiéter. Non, l'objectif, c'est dire que le président Jovenel a commis l'infraction que il est abus de fonction dans la loi sur corruption. C'est dit, le président Jovenel violait l'article 148, code pénal là, et par conséquent, il doit prendre sanction la loi. Notez, tout à l'heure, niveau débat, les professeurs Cadichon, Jacques Auxilus, La Tortue, Salomon t'a développé. Ce n'est pas un débat fait pour comme théâtre. Ce n'est pas un fait pour tout le monde qui doit apprendre. Magistrat doit voir que il y a des avocats devant. Ouais. Et c'est toi qui as fait. Maintenant, moi-même, je vais aller de mon côté. Par contre, nous-mêmes, en face de ça, sur une question d'incompétence rationnelle personnelle, et reconnaître le président qui commet acte là. Nous-mêmes, nous soulevons une compétence rationnelle matérielle. Une compétence rationnelle matérielle, ça lié, c'est matière là, puisque la peine qui vient dans 5.5 ans, c'est une peine de réclusion. Réclusion à partir de 5 ans prison. Ça veut dire correctionnel, pas compétent pour 5 ans prison. Nous faisons calcul nous-mêmes, comme avocats. Nous disons, si nous n'avons pas été plainte devant le commissaire gouvernement, Jean-Joël Tevin Natal et la défendre, non, nous allons prendre un dossier à la classe. Si nous allons devant le cabinet d'instruction directement, nous prenons un dossier à la classe. Nous venons devant correctionnel et correctionnel pour le venir pour le prendre un dossier pour dire, moi saisi le cabinet d'instruction, mais nous demandons. Faut que les voyez mon aller en état. Aller en état veut dire qui ça? Faut que le juge là ta s'il le courage. Moi, un jeune juge, je comprends. Il est professionnel. Mais ça m'a donné le courage. C'est fait venir, monsieur le prévenu, Jovenel Moïse, devant le tribunal là. Marel tant qu'un crabe, voyez le pénitentiaire national. Au niveau du CEP, nous faisons une action sur l'interprétation de la loi électorale. Il y a une autre action que je fais pas dire là, qui a bail résultat que vous-même vous obtenez. L'important, c'est après de Jovenel de connaître, il y a affaire avec des gens, c'est pas cadeau de faire. L'Ouest pas de voter comme on est carré pour le voter dans le Sénat. L'Ouest pas de voter, le Sud pas de voter Salomon, comme égaré. Ni Dieu Pi, notre collègue, pour le connaître. Et pas qu'il y en a qui va négocier avec le président son mandat. Et pas ça qui intéresse. D'abord, nous sommes des professionnels, nous connaissons. C'est Jean-Renel Sénatus, ce n'est pas l'avocat qui a défendu la défense, présenté l'aide au Sénat. Et vous voyez, le président de la République qui montrait les 10 sénateurs qui étaient en opposition. Maître Renaud Georges, avec Maître Sarah Hélène Georges, je crois que c'est le recours de justice qui doit tendre président, sinon c'est dans l'élection pour sénateur Yo Ali, Maître Renaud Georges, dans le micro, ma garçon de Félicité. Yo du roi que c'est président qui entend Félicité Badiou en fait l'élection. Et ça a dit, bon, mes amis, mais quand le président convoqué le débat 2018, même moniteur en même, pour yo voter loi électorale là pour yo faire l'élection. Ok, moniteur 11 septembre 2018, maintenant même là, numéro moniteur contre numéro 159. Ouali, même moniteur, côté président est convoqué nèg. Ça c'est youn. En 2019 là, président est reconvoqué encore. Puis il a voté loi électorale là, puis il a fait des champs. Il va faire, il a chuté à craser chaise, goumé, bon. Bah dijoné, il va bosser pète, mais il a petit. Bon. Mais quand il y a là, il y a besoin de tourner dans le Sénat. C'est une besoin de tourner. Bon. Mais lettre que le Sénat veut par le président.
Ouais, alors ce qui est un avocat président, vous ne faites rien de même. Mais les produits, c'est 10 sénateurs qui étaient pas encore. Ça veut dire que bon, même si je t'ai dit au sénateur que tu vas chita. Ensuite, vous bon, faites comment faire là? Je vais faire retirer toute sécurité sur le numéro là. Je vais marcher pourquoi vous. Dans la rien sécurité, vous avez fait tout ce que ça. Mon autre lettre encore, que le secrétariat Sénat écrit moi-même, maître dans le jour. Je vais me dire écrit. Je dis, vous voyez, s'il vous plaît, combien de sénateurs qui sont dedans? Mais l'État non même. Le Sénat de la République répond moi. Et puis même les sénateurs, je dis qui en dedans. Combien de sénateurs? Mais non, je dis un. Sénateur Pierre-François Sildor, président, département sud. Deux, Jean-Marie Raffetier, questeur, nord. Trois, Pierre Wannick, secrétaire, nord-est. Quatre, Joseph Lambert, sud-est. Cinq, Delva Gracia, Antibonite. Six, Pierre-Paul Patrice Dumont. Sept, Denis Cadeau, NIP. Huit, Jean-Hugo Belizer, 9, Kédlé Augustin, 10, Rony Célestin, 11, pas grand encore. Pas grand 11. Maintenant, j'ai fait tout le monde, j'ai dit, j'ai capi. Bah, il n'y a fait assez fort. Seul tribunal est compétent pour juger un président en fonction, c'est la Cour de justice. Nous, on a passé aux États-Unis. Est-ce que vous avez cette chambre correctionnelle, et le président, et Trump, ou pas, c'est dans la chambre des députés qui font l'accusation, vous êtes dans le Sénat. Pour le code de justice, ça, c'est pas Mounio qui l'a donné, non, c'est l'institution qui l'a. L'adresse physique. L'INA. Donc, bon, pas de tentative, vous êtes le président dans la chambre des députés, vous êtes dans l'adresse physique. Où dit là? Au Parlement. Au Parlement. Ah ben, oui, ça est à régler. Si on est comme ça, je t'ai fait. Bon, y aller, invite un éternel, m'amen. Merci. Élection pour le fait, très prochainement. Bon gouvernement, président, pour le métier, très prochainement, là, rapide. Il va se faire élection, et puis, il n'y a pas d'élection. Même quand les peuples n'ont pas voté encore. Bon, ben, ils ont pas cherché, ils ont cherché à faire avec nous, mais je vais dire, on n'a pas dit pour ça, non? On n'a pas dit pour ça. N'a pas dit en la gare. Mais je cherche à faire. Je t'ai pas fait. Je fais mentir là devant chez nous toutes. Maître Redol Georges, contrairement à tout groupe 9 sénateurs qui pensaient toujours faire partie à l'Assemblée sénatoriale, président Sénat a précisé l'Assemblée n'a pas dirigé depuis après le deuxième lundi janvier 2020, il y a seulement 10 sénateurs. Par rapport à la démarche, groupe sénateur qui a réclamé limite mandat jusqu'à 2022 qui devant la justice, Pierre-François Sildor dit l'Aptan, la justice décidée sur statut groupe sénateur Sayo, Wenchel Adrien. Pendant yo déposé plainte devant organe contentieux électoral là pour tenter restaurer mandat yo dans Sénat République là, chef l'État a déclaré caduc 9 sénateurs concernés yo, Yuri Latotu, Willow Joseph, Jean-Marie Junior Salomon, Cassine Nel, Ronald Larèche, Dieupi Chérubin, Onosjelui, Dieudonne Luma Étienne, ak sénateur Jean-Renel Senatus, pas inscrit dans liste Assemblée sénateur qui toujours en fonction yo, malgré quelques nan yo semaines qui sont passées là pendant deux occasions, t'es rentré dans le bureau yo pour siéger. Si 9 sénateurs nous citer là yo, pensez ou fait partie Assemblée ya, président Sénat Pierre-François Sildor rappelé, Assemblée l'a dirigé ya, depuis après deuxième lundi janvier 2020, comptez 10 sénateurs. C'est 10 sénateurs et élection faite avec 8 sur 10, c'est ça nous gagne. Dans la logique ça, président tiré Sénat finalement admet c'est 2 tiers Sénat qui parti. Il y a 2 tiers Sénat qui allait même si maintenant dans un tiers qui est encore en contestation. Puisque sénateur qui a réclamé respect limite mandat jusqu'à 2022 déjà devant la justice, sénateur Pierre-François Sildor cependant pas écarté possibilité pour recevoir yo parmi assemblée si la justice t'a tranché en faveur yo. Nous pas ignorer un événement public. C'est un événement public que 9 sénateurs qui ont un sens contentieux au niveau maintenant du tribunal correctionnel. Donc aujourd'hui, il y a même le temps supposé à l'ensemble qui peut faire recours maintenant par devant le CEP. Tout ça nous a fait, nous attendons maintenant décision verdict à la justice. Pendant deux occasions, la police est déployée devant rentrer principal parlement pour empêcher groupe 9 sénateurs concernés yo rentrer dans le Sénat. Winchel Abien,
Caraïbes FM. Merci un peu, Winchell Adrien, président Sénat, sénateur Pierre-François Sildor, révélé des démarches qui déjà tombent pour y permettre formation d'un gouvernement Union nationale. Toutefois, un président tiré Sénat fait qu'on ait gain l'idée qui soutient dans différents secteurs dans la vie nationale là, qui est impliqué dans un débat sous formation nouveau gouvernement. Ça, sénateur Pierre-François Sildor, le micro Winchell Adrien. Même quand au niveau du gouvernement, on a entendu le président de la République qui parlait plusieurs fois d'un gouvernement d'union nationale. Et on entendait maintenant l'autre acteur politique tout parler de gouvernement ça, et rien que parler de accord politique tout. Nous avons été approchés, pas en tant que président du Sénat, mais à titre de sénateur, des gens qui expliquaient nous un accord politique à PC et joindre pour sortir. Mais là encore, on ne s'entend pas trop, parce que une école de pensée, un courant qui t'a appelé que le gouvernement sorti à partir d'un rapport politique. Il y a un rapport politique qui a pris trop de temps pour le faire, donc il faut y aller une stratégie à deux vitesses. Un rapport minimal qui bat un gouvernement consensuel, qui travaille maintenant sur un rapport politique pour arriver à une solution plus ou moins définitive et apaisante sur la crise politique. Nous-mêmes, nous avons aimé que un gouvernement représentatif dans le pays qui a amené maintenant une forme d'apaisement politique qui permette que la vie reprenne normalement dans la société, qui permette que les Haïtiens reconcilient avec tête et chercher chemin vivre ensemble. Président Tiré Sénat, Pierre-François Sildor. Merci de tout qui te prend à nous pour nous être capables de suivre l'édition Nouvelle ça et ensemble avec nous. Et nous espérons que vous passer une très bonne journée, mais nous n'avons pas fini. Et je n'ai à peine commencé et nous sommes toujours là pour nous capables de présenter tout reste nouvelle qui a tombé pendant la journée. Mais avant d'aller, si vous même pouvez faire partie de la chaîne ça et abonner ensemble avec nous, activez la cloche là, mettez-le sous tout comme ça, vous recevez une notification chaque fois que nous publions une vidéo. Passez une très bonne journée.